l'agrandage, c'est l'environnement. L'environnement, on en entend beaucoup parler tous ces jours-ci depuis un certain nombre de temps. Il y a un bouleverse. Faute là, principalement, c'est nous. Mais nous, on dit, mais non, c'est les États-Unis. Mais non, c'est les politiques. Mais non, c'est la commune. Parce que la commune, il faut que la commune soit nettoyée. À la limite, elle a envie que la commune soit nettoyée en bas en nous. Et résultat des comptes, eh bien, nous à la dérive. Et nous allons continuer à la dérive en mettant le tort sur le dos des autres. On ne se rend pas compte que nous sommes acteurs de ce bouleversement. Et donc, saloptage et l'alimentage à pays en bouleverse, c'était un genre pour TP interpeller les gens, quitte à choquer les gens, quitte à faire les gens croire que nous sommes des gens mal élevés, mal appris, et tout ça, vous voulez, mais c'était pour dire aux gens, benga. Et c'est pour ça que l'alimentage à pays là, il y a un bouleverse comme ça. Mais Erès Dibonnet, ça pifo qui nous. De danser Gouka. Moun ka voye monte, vêtements, qui j'en peux dire ça? Et madras, collier chou, bel doudou. Et yo ka oublié que Gouka, c'est tout d'abord, et ça a toujours été ça, un vecteur de message. Ka raconte pokay, ka di kay ka passe en temps ay. Et, à par rapport à ça, eh bien, nous refusons carrément le doudouisme, ou même en forme d'exotisme, parce que nous n'avons pas dit doudouisme encore, à la limite, forme d'exotisme là, ça. Et nous décidons de parler avec quoi nous avons déjà pays à présent, et par rapport à symbolique, à ça, nous voulons montrer, rentrer, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau des décors, nous voulons rentrer en disant, thème, thématique principale, problématique principale à spectacle là, qui était l'alimentage à pays là et tous les pieds bois qui alentouent à l'alimentage à pays là ça. Va bien, ce lieu que je trouve magnifique. Les deux éléments principaux, à savoir la terre et l'eau ont déclenché pas mal de choses dans ma tête qui fait que, bon, par exemple, tenir la chorégraphie, on ayait de l'eau. Guadeloupe.
îles aux belles eaux. Goutte d'eau de pluie. Goutte d'eau de rivière. Goutte d'eau de mer. Goutte d'eau braque. Babet, chaque fois que j'y pense, je pense à un proverbe qui dit « C'est point la chien qui a guéri mordé à chien. » La plupart du temps, nous tenons remède, on plate à pied en nous, mais nous croyons qu'on va chercher ailleurs. Nous avons un argile hyper précieux à Babet. Petit à petit, les gens qui viennent découvrir, on va trouver les gens, au lieu de juste prendre avion pour aller à Dax, par exemple, c'est ça, on dit, moi. Eh bien, pourquoi trouver un petit labou qui là? Mais nous, tellement, on a gens qui ont salopé tout le bitin, qui ont salopé, que nous prenons, nous chahier parce que nous avons besoin de mener dans le salon, nous labou là. Or, vertu thérapeutique, c'est sur place. Parce qu'il faut prendre le temps pour prendre, il faut prendre le temps pour passer ici, il faut prendre le temps pour poser. Et si les gens qui ont utilisé et entendu pour te servir à ta place, mais tout ça, actuellement, mais de, si on a un rhumatisme, on douleur, on quelque chose, eh bien, apparemment, ça a marché puisque de plus en plus il fréquentait, de plus en plus il connaît. Donc, ça qui était bien, c'est que par exemple, qu'ils ont trouvé les moyens de faire en sorte que si j'avais dit ça, ils ont formalisé, ils ont rangé, ils ont fait en sorte que. Qu'elle vit nos côtés, que mon pas fait un pangal, mais son pour moi son un côté sacré. L'eau, la terre, vent et le cinquième élément, l'homme qui a foutu bordel comme d'habitude. Eh oui, minou. Le parti pris vraiment que j'ai eu, c'est de mettre en valeur le tambour Gouka autrement par du voyer monter, par le sentiment du tout black. Il y a 7 rythmes dans le Gouka et donc pour moi, il s'agissait de dire autrement. Par exemple, le fait d'intégrer dans le Gouka des hip-hoppers, de leur demander de danser sur du ka et non sur leur musique de dancehall ou de leur musique de break, de leur demander de travailler dans un espace réduit. Et surtout, d'exiger une rigueur chorégraphique. Mais ça, c'était le plus gros problème là. Et que ce soit avec le Gouka aussi, pareil. Hein, puisqu'on a tendance à dire, ah, Gouka, de toutes les manières, nous pouvons improviser. Eh bien non, nous ne pouvons pas improviser en rien. Tout bitin doit être calculé. Et à la partie plus chorégraphique, on est paix. On a dit, on est paix parce qu'on a dit, qui gens ces puristes là, qui prennent les gens là, qui chamboulent les Gouka là. Qui Jean Moun Guadeloupe qui prend qu'un pas qu'à montrer Gouka voyer monter mais qu'à faire Moun pleurer enfin à un spectacle. Qui Jean nous qui fait ça. Et puis je crois sincèrement qu'après avoir convaincu les 355 acteurs, je me suis dit il n'y a pas de problème, on va convaincre les 3500 qui viendront voir et ainsi tous les autres aussi qui découvriront ce spectacle autrement. Thank you.
Alors, l'une des choses dans ce spectacle qui a été assez... où j'ai essayé de mettre le doigt sur un certain nombre de choses, c'est sur notre côté spirituel. Sur notre côté spirituel, nous sommes très catholiques, très chrétiens, mais en même temps, on aime bien tout ce qui est... tout ce qui est gardé des affaires, enfin bref. Et en allant à la chapelle de Babin, de Makou, j'ai pensé à beaucoup de gens, à ma maman. Ils sont très, très pratiquants. Et c'est une des choses qui a un peu interpellé les gens. Parce que c'était un peu de l'ironie. Les gens pensaient que je faisais de l'ironie en faisant le petit sketch là sur la chapelle. Or, c'est aussi un lieu d'inspiration. Parce que dans la chapelle, la plupart du temps, les gens, ils viennent pour prier. Ils demandent à la mère Makou de la grâce, d'avoir des bonnes choses qui leur arrivent dans leur vie. Mais ils demandent la grâce, ils oublient et laissent de la grâce. Alors j'ai voulu un peu ironiser un peu sur notre côté, soi-disant bien propre, bien machin, bien croyant et en même temps, bien mal propre aussi. C'est ça, hein? Mal propre. La chose principale qui m'a inspirée, c'est qu'on est dans un lieu de culte où on demande de la grâce, mais on laisse de la grâce. Où on demande de la grâce, mais on laisse de la grâce. Alors, moi, ça, quand m'a dit maman Makou, c'est de faire en sorte que nous prenons conscience que le pays là, ça, c'est prêter le prêter lui pour nous parce que tout ce qu'il. Donc, si nous prions en train faire, maman Makou, c'est faire nous prendre conscience. Faire nous prendre conscience parce que si nous avons envie de nous aller. Donc, cette prière-là, ça, et un péché écrit. Parce que, à part tout dire écrit, il faut graver un fond de cœur pour que ça. Oui, ça arrive là, il est plus. Mon Dieu, faites que je réussisse à mon examen. Mon Dieu, ici la partie, fais retourner. Mon Dieu, délivre-moi de Satan. S'il vous plaît, paye permis là, il disait rouler en belle loto. Maman Makou, bye bye là, tant pis, s'il vous plaît. Mon Dieu, va vite chef la cantine, la pointe. Maman Makou, maman Makou, mi petit tao revin vrai, maman Makou. Maman grite voisine, moi pas arrêté, persécuté moi. En cas de rembiter, maman Makou. J'en dis, non, vi les bons bougies, en pays, mais du goudon. En cas de fouille tête de par moi, fon tchou. La scénographie aussi est particulière. Elle est au service du propos chorégraphique. Je veux pour preuve, au niveau du décor par exemple, il était volontairement épuré parce qu'il était important pour moi que ce soit les corps qui servent de décor. Et c'est ainsi que j'ai demandé à Thierry Lima de me faire des peintures sur corps. Une chose importante, mais